بسم ياب وويل ومن فسك دوس هادو أملاك آمين بسم ياب وويل ومن فسك دوس هادو أملاك آمين Les plages de Marie-Galante font partie des plus belles de l'archipel guadeloupéen. À partir de Lanscano, bien connu des plaisanciers, le sentier longe la grande plage de Moustique jusqu'à l'emplacement d'un ancien cimetière. Le parcours du vieux fort permet de profiter pleinement de ce littoral magnifique. L'itinéraire se poursuit dans les hauteurs, à travers d'intéressants paysages de campagne, tantôt à découvert, tantôt ombragés. Par temps clair, on a vu sur toute la Guadeloupe. Attention aux nombreux manseniliers. Ils ne manquent pas sur ce sentier en boucle qui vous ramène au point de départ. Fiez-vous au marquage fait en rouge par les agents de l'Office national des forêts. Marie-Galante, l'île aux 100 moulins, vous offre également de belles randonnées. Tous les lieux sont imprégnés de cette vibration positive qui existe à Marie-Galante. Et grâce à Dieu, nous avons fait une belle trace qui nous a amené jusqu'à cette pointe. Et nous voyons ici l'océan, le ciel. Tout cela nous parle de la bonté, de la douceur de vivre à Marie-Galante. Et nous souhaitons bien sûr que tous ceux qui passe à Marie-Galante puisse bénéficier de tous les bienfaits de cette île merveilleuse. Voici quelques conseils pour profiter sans danger de votre randonnée. Renseignez-vous sur l'état de votre parcours et partez tôt le matin. Surveillez la météo. Portez de bonnes chaussures. Ne marchez pas le ventre vide et emportez de l'eau. Prenez un sac pour ramener vos déchets. Ne surestimez pas vos forces. Pour votre santé, il est recommandé de pratiquer une activité physique d'au moins 30 minutes par jour pour les adultes et d'une heure pour les enfants.